Bien. Eh ben, on va essayer. Hein. On va voir si cette petite chose-là tente les petits poissons. Tu l'as ? Ouais, super. C'est un ombre ? Attends, j'arrive. Montre-nous ce bel animal. Alors, elle est croisée avec une truie d'élevage. Tu regarderas ses points rouges. Ils sont déjà très, très gros. Elle est belle. Ouais. Elle a été croisée. On doit faire 22. 21. Non, tu as la 20. Ah, c'est ce que tu as 20. Elle est belle. Mais elle est assez épaisse. Quand elle est croisée. Et elle a des points très très... Elle a bien les traits de la souche atlantique, elle a bien l'adipeuse bien rouge. Bien rouge, ouais, j'ai une truite... Je dirais ordinaire. C'est une fario classique. Ils ont mené une étude hein, sur les croisements, hein. récente. J'ai pas eu le... Je voulais lire les résultats, ils n'ont pas encore été diffusés. Est-ce que tu veux la relâcher toi-même? Allez. Vas-y, je t'en prie. Attends ma petite, je ne veux pas te serrer. Là, tu vois, je ne veux pas la serrer. Oui, t'as raison. Elle est très finement. Allez pas. Attends. On est à l'envers là. T'es pas dans le bon sens. Voilà, ici. Ouais. Allez, va dans l'eau. Allez, ma cuisse. Va te promener. Voilà. Au revoir. Tu vois, elle repart bien. Elle repart bien. Hein. Tu l'as prise où là-bas, la souche là-bas. Non, il y a un petit là, coin. Là, un petit courant là. J'ai raté un nombre là, ici. Ah ouais, là. Et c'est elle, un bon point. Elle était au fond là-bas, dans le liseré. C'est un bon spot là. Hein. Tu vois, très ça trop joli. Moi je me suis. Ah ben il est plus beau que. Ils sortent du trou et quand ils sont en alimentation, ils vont chasser dans les petits filets d'eau là. Ouais. Je suis descendu en taille de nymphe. J'étais un peu plus gros et elle nageait pas assez. Elle raclait trop le fond, l'autre d'avant. Donc noir et brun. Noir. Alors t'as un dubbing de. C'est du dubbing de lièvre. De lièvre. Noir. Naturellement clair, noir. Et puis t'as une petite queue de faisan, mais elle est tellement abîmée, il faudrait que je la refasse. Ouais. Mais elle prend encore. Et une petite bite tungstène Non. Alors là, en laiton. En laiton carrément. Ouais. Très moins léger, lourd. Très moins lourd. Ouais. Et ouais. Puis tu sais, dessous. Je grossis le corps, je le fais pour qu'elle ait de la portance. Ouais. Sinon, elle, tout de suite, elle tombe au fond. Tu le fais avec du fil de montage de combien? 14 14-0 Là, j'étais en 12, je 12, crois. Ouais. Non, mais elle est jolie, elle est... Ouais. Elle est toute simple. Hein. Elle est toute simple. Mais j'ai vu qu'elle marchait bien, ce coloris. Avec une canne fine. Bon, par contre, il y a un coup de main à prendre. Hein. Ouais, mais je l'ai vu l'autre jour. Vert. C'est plus dur qu'au vert. Ouais. C'est beaucoup plus léger. T'as rien de poids, parce que là, t'as mis un plomb. Tu vois, il n'y a rien. Un petit plomb numéro 8. Ouais. Bon, t'as un micro-émerillon, mais bon, il pèse... Tu devrais le faire tomber, normalement. Il pèse rien. Ouais, mais même... Moi, je ne mettrais pas, moi. Ouais, moi, je ferais du boucle dans boucle. Habituellement, je l'enlève. Je ferais du boucle dans boucle, et puis... Ouais. Et ça suffit. Mais bon, ça gêne pas vraiment, hein. On est perfectionniste, après. Oui, non, mais t'as raison. Toi, tu l'as pris, c'est du détail. En tout cas, bravo. Bah écoute, je suis content. Hein. Ouais. Petite truite de vin, là. Même si c'est toute petite, dans le courant, là, devant. C'est plaisant. Je vais essayer un peu, insister un peu plus haut, mais ce coup-là est joli. Il est vraiment expert, la nymphe, ce monsieur. Vraiment expert. Bon, là, le verre de terreau, hop, et une touche. C'était quoi, ça? Je me suis un peu fait surprendre. Je m'y attendais pas. Bon, ça c'est le fond. Mais là, c'était pas forcément le fond. Et voilà. Et voilà un poisson. Poisson ! Ouais, elle est bien. Alors, j'ai pas vu ce que c'était encore. Ouais, c'est pas mal. J'ai pas encore vu ce que c'est. Non, je crois que c'est une truite. Non. C'est un blanc? Attends, non. C'est un ombre? Non, c'est un petit ombre. Bon, ça va. Il vient. Allez. Ouais, c'est un ombre. Là, on le voit bien. Ah, voilà, j'ai fait un ombre. Ah, là, c'est beau. C'est le plus beau poisson. Tu veux le défaire ou je le défaire? Ouais, je vais le défaire doucement, délicatement. On va pas le faire souffrir. T'es accroché toi là-bas? Merde. Viens là.
Sois sage. Sois sage, on ne va pas te faire de mal. Net, ouais. En deux, il a été piqué. La lèvre supérieure est blessée. Ah oui, d'accord. Ouais, oui, on le voit. Ah oui, tu vois, elle est enflée, ouais. Il a été piqué. Il a été piqué, ouais. Ça, c'est des moucheurs. Attends. Je vais le mettre dans l'eau. Tu veux le mesurer, Florent? Alors, je pense qu'il doit faire 27. Bon, bien, ici, reste sage. Par contre, il a du gaz, 24, lui. 24. Ah, non, moi j'ai 26. Dit... 26. 26 au bout. 26, ah, ouais, il a raison. Ouais. Ah, comme il est mignon. Les couleurs sont splendides. Hein. Eh ouais, elle est lourde. Tu t'en rends compte, à côté de la tienne, qu'elle est lourde. Ça y est, il est parti. Ah ouais, il est parti. Regarde. Il est parti. Non, mais je sentais dans la main qu'il avait du nerf. J'ai pris là. Bravo. Parce que c'est dur là. Ici c'est dur. Là, dans le courant, sous la branche. Ça a donné beaucoup de truites en début de saison. Il est dur cet endroit. Sous la branche, mais il a pris franchement. Hein, il n'a pas posé de 26. Bon, bah, celui d'autre jour faisait 27. C'est très bien. Bon, c'est des petits poissons. Oui, mais il est beau. C'est très joli. C'est un petit poisson, mais c'est un beau poisson. Oui, il est mignon. Il est très, très beau. Les couleurs sont magnifiques.